T'es où? Bon, après, tu vois, ça c'est tranquille. Après, avec les bons réglages, tu la places où tu veux, tu vois. En fait, je vais monter une lame un peu en travers devant. Hein? Juste un peu, ça coupera l'herbe, ça suffira. Moi ça me ralentit à mort, hein. C'est débile. Hein. Bah, de toute façon, il faut que je trouve un moyen de mettre des badlands sur des jantes sans dépôt. Je sais pas pourquoi Proline s'obstine à faire les badlands que sur des jantes à dépôt. Tu peux acheter des gens de Traxxas, c'est, il faut aussi des gens de Truggy, mais c'est aussi un dépôt. Il faut trouver des gens à lèvres. Il faut trouver des gens à lèvres pour les mettre dessus. Moi qu'un rebond. Hein. Ah, mais c'est qui me suit? Je me suis dit, il va passer à côté, salaud! J'ai emmené les pneus pistes au cas où aussi pour le truc. Petit coup de tonnelle. Ah ouais? Je me suis pas fait avoir par le rebord. J'ai freiné au dernier moment. Bon, on va raser ce panneau aussi. Hein. Oh. Et tant que les autres se réveillent, nous, on aura fini toutes les batteries là. Là, je marche en l'air. Après, moi, ce que j'aimerais trouver, c'est les. Tu sais, pendant longtemps, ils faisaient des pneus à picot méga large pour Truggy. Des rouleaux comme ça, là. HP en faisait, et les Chinois en faisaient aussi. Avec des picots larges. Ouais, et sur des jantes sans déport. Comme ça, tu sais, ça. C'est à la même largeur totale, mais tu rentres vers la machine. Okay. Et ça fait un méga look, quoi. Enfin, moi, j'aime bien le look très gay comme ça. La différence on herbe, off herbe.
Ouais, moi je ralentis sur le rebord. Moi je vois le moment où je vais toucher ta roue et ça va m'envoyer mal dingué, tu vois. Ouais, ça a klaxonné. Hein. C'est notre train qui a un coquelicot qui résiste depuis avant. Hein. On n'est pas passé une seule fois dessus encore. Il est où? Ah, il est là. Bon, coquelicot. Attends, je vais te voir. Il y a un sachet de glace, je crois que c'est. Ouais, c'est un sachet de merde. Ah non, c'est... T'as eu peur? Non, enfin, les gens, ils ramassent la merde, ils foutent un sachet, ils le laissent quand même par terre. Mais moi, j'ai mes voisins qui sont lancés des trucs rigolos. Ils ont acheté une petite charrette à quatre roues, ils se promènent le dimanche et... Non, ils ramassent le caca partout. Sérieux? Ouais, enfin tout, les concerts, tout. Ils nettoient. Bah, ouais, c'est bien. J'ai dit, mais là, faut l'amener à la mairie, il faut peser, il faut leur dire, voilà, par temps et tant de kilos, je veux tant et tant. Moi, je dis, ça, c'est un boulot pour les cassos. En Suisse, ils font ça, c'est obligatoire. Ils te disent à 8h, t'es à tel endroit, sur tel parking, ils te filent un sac à poubelle, une pince. Ensuite, ils te récupèrent à midi, tu recommences à 13h30, ils te récupèrent à 5h. Je sais pas comment t'as fait, mais t'es sur les roues. Et bien sûr, le gag, c'est qu'il faut que les sacs poubelles soient pleins, quoi. Et si les jeux, ceux qui viennent pas ou ceux qui font pas le travail, et ben là, sur la journée, les allocs sont sucrés. Crois-moi qu'ils ramassent. Hein. Et ils s'en foutent que t'as mal à la tête. Hein. Comme une fois que je ramène les rampes. Hein. J'attends de l'avoir rodé, le body. Une fois qu'il aura fait un bon crash, on sortira sur les rampes. Oh, si c'est avec le moteur court, apparemment ça se passe bien. Hein. Plus là on lui tire sur la gueule quand même. Hein. Ouais voilà, la. Alors, on va checker la tempe. Oh, tous les moustiques sur le pare-brise et le jus de fleurs. Mmh. Ben. Ça c'est bien, c'est un truc qui part bien ça. Batterie tiède. Moteur, ouais, ça va. T'arrives encore à laisser le doigt dessus, mais tu sens que ça va pas durer le doigt dessus. Donc, prochaine étape, c'est faire des trous dans le super moteur, filter des M3 et puis mettre un petit ventilo. Je vais en mettre tout de suite deux, je pense. Ah ouais. On devient bon. J'attends toujours de te voir de l'autre côté avant de tourner. Attends, je vais voir
Merci mon pas. Ah, ça sert à rien. Ah, mais j'arrive pas à me mettre sous. Tu vois, si j'arrive à me mettre en dessous, c'est bon. Mais il tient les stickers, hein. Il a fait ça bien. Ça a l'air, putain. Merci Mika. Ah, je sais pas. Mais Jérôme, il vient plus, je sais très bien. Il roule de l'autre sens avec. Il fait plus que de la piste avec Ludo. Hein, Jérôme? Ouais, je suis chantier de la maison, ouais. Ta femme m'a déjà écrit, c'est normal qu'il faut 3 heures pour monter une enroule. Si on revient 2-3 fois, c'est bon, c'est réglé. Ouais, j'ai emmené les pneus chinois pour la piste, là, pour les finir aussi. La dernière fois, j'avais essayé avec les Proline Roadrage, ça allait bien en 4. Alors 6, avec le VS Line, là, tranquille. Mais bon, c'est quand même nettement mieux avec le cast. Là. Bah, j'avais encore l'ancien, ça. Ouais. Bah, le 1700, j'avais pignon de 14 dessus en 6S. Avec les réglages, on se relativement soft au Vario. Ah, tu m'as bien eu. Là, c'est séance tirage à fond, on voit. Ah, ça y est, coupure. Alors, voyons voir. 12 minutes. Une 6S 4 minutes.